Bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, oui, je suis un petit peu en retard, mais ça va aller. Forcément, ça fait un moment que j'ai pas fait de direct, donc j'avais rangé toutes mes affaires partout et j'avais du mal à les retrouver. Je vous attends, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à m'envoyer des petits mails, des petits messages. Je ne vous trouve pas en live, c'est normal, je n'avais pas encore démarré. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu, voilà. J'espère que vous allez bien. On est samedi. Ce moment, je l'attends depuis un moment, c'est vrai, c'est la mise à jour de la besace loup. J'avais tellement envie de vous la montrer, mais je devais travailler un petit peu en mode secret avec les testeuses pour vous faire la surprise. Comment allez-vous? Bonjour Karine, je vois que vous arrivez tranquillement. Hello Vanessa, ça va? Alors moi j'ai beaucoup de lumière dans l'atelier, je veux un petit peu aveugler parce qu'en fait j'ai un puits de lumière au-dessus et des fenêtres là. Et d'habitude, je vous rejoins en live le soir, donc là, il y a beaucoup de lumière pour moi. Hop, voilà. Salut Happy Molly, ça va? Bonjour Christelle, bonjour Virginie, je suis tellement contente de vous retrouver, vous n'avez pas idée. Marie-Sophie, bienvenue. Raymond aussi, j'attends que vous arriviez toutes et ensuite je vous explique tout. Alors, faut savoir que la mise à jour de la besace loup, c'est un gros travail qui m'a pris plus d'un mois. Au début, je m'étais dit, bah, je vais faire un petit truc, petite mise à jour. Et en fait, je me suis laissée emporter par ma créativité. Bonjour Émilie, elle dit que c'est son premier direct. Eh bien, bienvenue, j'espère que ça va te plaire. Cathy, contente de te revoir, mais moi aussi Cathy, je suis trop contente. Valérie, bonjour. Elisabeth aussi, Nelly, je vois que vous arrivez tranquillement. Bonjour Marie-Paul. Alors, ce qu'on va faire, je vais tout vous expliquer. Enfin, j'ai plein d'infos à vous donner. Je me suis fait une anti-sèche juste là en dessous de mon téléphone. J'ai pas eu le temps d'écrire tout ce que je voulais. Aurélie est tellement contente, mais moi aussi le plaisir est partagé. Salut Ismène, bonjour Rachel. Du coup, j'ai essayé de faire un truc pas trop décousu, d'accord? J'ai trop d'infos à vous donner. Donc, on va faire dans l'ordre. Je vais vous parler de la mise à jour de la besace loup. Je vais vous montrer toutes les possibilités. Hello Corinne, bonjour Josiane. Et ensuite, je vous parlerai, je vous donne le programme, comme ça si j'oublie quelque chose, vous me direz, d'accord? Je vais vous parler, hop, attendez, je descends un tout petit peu la caméra, voilà. Je vais vous parler, donc, de la mise à jour du patron, toutes les possibilités. Je vais vous montrer mes prototypes comme d'habitude. Ah, il y a un truc que j'ai oublié là-bas, je vais aller le chercher. Et aussi, ensuite, on parlera du live couture, parce que j'ai rudement envie de coudre ce modèle avec vous. Donc, on va se retrouver début juin en live pour le coudre. Je dois vous parler des kits en série limitée du live couture. Je dois aussi vous parler d'une grosse nouveauté. Et je dois aussi vous parler des jours anniversaires. Voilà, on a un gros programme ce matin. Je préfère attendre le live pour vous dire tout d'un coup plutôt que de faire des posts. Salut Françoise, bonjour Laurence. Alors, je reviens. Je vais juste chercher quelque chose là-haut parce que c'est important. Je voulais vous le montrer. J'arrive tout de suite. J'ai oublié de le sortir. Hop, voilà. Ça va, c'était pas trop loin. Ça va. Alors, Amandine, elle est contente de me retrouver, mais moi aussi. Bonjour, Loana. J'espère que ça va. Alors, on va y aller. Enfin, un nouveau live. Marie, Thérèse, oui, un nouveau live. Et ce n'est que le premier parce que, comme je disais, début juin, on va se retrouver en live couture. Un programme d'une semaine que j'ai prévu pour vous. Vraiment, je pense que ça va être très chouette. Alors, pour résumer déjà la besace loup. Je vous montre la besace loup telle qu'elle existait avant, d'accord. Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Est-ce que Monsieur Dodinette est là? Bon, il n'est pas là, je lui demanderai après. J'ai oublié mon sac à main parce que ma besace loup est mon sac à main. Mais c'est pas grave, on lui demandera tout à l'heure. Alors, je vous montre la besace loup telle qu'elle existait avant. Et ensuite, je vais vous parler de toute la mise à jour. Ok. Anne-Sophie, tu aurais dû faire au moins deux lives. Oui, c'est vrai. Mais comme ça, vous avez tout. Ça fait un petit peu le retour des Dodinettes avec toutes les informations dans tous les sens. Donc, je vous montre la besace loup telle qu'elle était, d'accord? Alors, pour la mise à jour, j'ai reçu plein de messages. Déjà, je rassure celles et ceux qui avaient commandé sur Makerist. Vous aurez la mise à jour du patron, je ne l'ai pas encore faite. Je la ferai, je pense, cet après-midi, j'irai mettre sur votre compte la mise à jour. Salut Claire, ça va? Celles et ceux qui ont déjà acheté la besace loup sur la boutique, d'accord? Le patron PDF, boutique.dodinette.com. Vous allez avoir, et vous l'avez normalement déjà, n'allez pas tout vérifier tout de suite. Merci c'est Sacha Malo, c'est très gentil. Vous avez la mise à jour des tailles que vous aviez commandées, d'accord? Faut savoir, j'ai fait une double mise à jour. J'ai fait la mise à jour
du patron de base, donc c'est le patron normal que vous avez déjà. Cette mise à jour, vous l'avez. J'ai choisi, j'ai plus détaillé les étapes, il y a plus d'images. J'ai changé la sangle, mais ça, je vais vous en parler après. J'ai changé les passants, j'ai changé le montage de la poche arrière. J'ai simplifié en retirant du thermocollant double face, vous savez, que j'utilisais avant. Comme ça, vous avez besoin d'acheter moins de matière pour coûter cette besace, d'accord? Donc, si vous aviez acheté la taille 1, 2, 3, vous l'avez sur votre compte, ça, c'est la mise à jour. Donc, je vais vous parler de cette mise à jour. Et ensuite, la nouveauté. Il y a deux nouveautés en réalité. J'ai trop de choses à vous dire, je crois. La première nouveauté, j'ai fait une taille en plus, c'est la taille 4. Donc, bien sûr, si vous avez commandé les tailles 1, 2, 3, je ne peux pas vous offrir la taille 4 parce que j'ai recommencé le patron du début. C'est pas juste un agrandissement, je l'ai changé. Et j'ai dû recalculer toutes les pièces, donc j'ai passé beaucoup de temps. Donc, si vous aviez déjà commandé le modèle, vous n'aurez pas la taille 4 sur votre compte, c'est normal, mais on en parle après. Salut, c'est Poupi Kikou. On en parle après parce que j'ai une réduction pour, bien sûr, les gens qui l'avaient déjà acheté. Ok, mais je vous en parle tout à la fin, j'essaye de garder focus sur ce que je vais vous dire. Coucou Jacqueline. Donc, il y a ça. Et la nouveauté, il y a un pack de variations additionnelles. Vous allez voir, j'ai rajouté plein d'options à notre jolie besace et je pense que ça va vous plaire. Même chose, le pack additionnel. Coucou Jessica, elle sait tout Jessica déjà parce qu'elle a fait partie des testeuses. Je disais le pack additionnel, il ne sera pas non plus sur votre compte client parce que c'est une nouveauté sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Mais rassurez-vous, si vous aviez déjà le patron, bien entendu, il y aura une réduction pour vous. Et comme d'habitude, en sortie de patron, je suis en réduction sur le modèle. C'est gentil, Françoise, elle dit, tu nous guettes. Je suis en réduction sur le modèle qui est combiné des quatre tailles et pack de variation, mais je vous dirai tous les tarifs à la fin. J'ai trop de choses à vous montrer. Ok, allez, c'est parti. Agnès, elle dit, ça marche plus. Est-ce que ça marche? La reine du pack additionnel, Anne-Sophie. Je pense que celui-ci va te plaire. En tout cas, les testeuses l'ont beaucoup aimé. On va voir. Je vous montre la besace loup de base, celle qui existe depuis un moment, d'accord? Dites-moi si ça ne marche pas cette vidéo. Donc ça c'était la besace loup que vous connaissez. Alors ça c'est by Steph qui me l'a cousue pour un salon, d'accord? C'est issu d'un kit d'Odinette. Donc la besace loup elle était comme ça. Sur le rabat il y a du flex ici. Et au dos il y a une poche passe poilée en tissu. On n'est pas obligé de la mettre. Coucou Stéphanie, ça me fait plaisir de te voir. Mais sur celle-ci, elle y est en tout cas. Donc, c'est le modèle de base, hein, tel qu'il existait avant. Donc, dans la variation, qu'est-ce que j'ai fait? Pas dans la variation, dans la mise à jour du patron de base, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu le montage de cette poche-là, d'accord? J'ai perfectionné le montage. Il est un peu moins hasardeux. Attention, il faudra vraiment respecter les marges de couture. Donc, dans le patron de base, j'ai fait cette mise à jour. Voilà, qui est incluse déjà pour les gens qui avaient déjà le modèle. Hein, sinon, vous le retrouvez directement en achetant. Et au niveau du rabat de la besace loup, ici, je positionnais un thermocollant double face. Ça, je l'ai enlevé. J'ai fait le montage autrement. Quand on ouvre la besace ici, vous avez une poche à accès rapide. Donc, vous avez deux modèles de poche inclus dans le patron. D'accord? La version incurvée avec un passepoil comme ceci. Vous voyez, c'est une poche pour mettre votre téléphone, ce que vous voulez. Ou la version droite que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, est-ce que je l'ai mis par hasard sur mon site? Non, je ne l'ai pas cousu sur l'autre modèle. Donc, je vous le montrerai dans le pack additionnel. D'accord? Donc, dans le patron de base, vous avez cette poche-là en incurvé ou en droite pour un modèle plutôt masculin ou plus simple ou plus classique. Le dos de la besace, vous avez la poche passepoilée, d'accord? Ou sans poche pour les débutantes, ce sera plus facile avec la poche parce qu'elle est un peu plus technique à travailler. Pour le rabat, vous avez... Ah, tu la connaissais pas Marie? Bah, je pense qu'elle va se plaire. Pour le rabat, vous avez ce rabat donc qui est bimatière. Ici, c'est une bande de flex, d'accord, qui a été collée. Là, on a rajouté une petite surpiqûre. Je sais pas si vous voyez sa paillette un peu, mais on n'est pas obligé de la faire. Ça, c'était une petite touche de style où vous pouvez choisir de faire cette besace, d'accord, avec le rabat complètement uni. C'est vous qui décidez. Alors, Maya, elle demande est-ce qu'elle est réalisable pour tous les niveaux de couture? Oui, la version de base, celle-ci, niveau débutant, vous pouvez y aller si vous savez coudre au point droit. Attention néanmoins, cette poche-là, je la déconseille aux grandes débutantes parce qu'elle est plus technique. Mais c'est d'ailleurs pour ça, d'accord, qu'on va faire un live parce que je vais vous montrer ces étapes. Et ça, c'était important pour moi, donc on le fera en live si vous voulez coudre avec moi. Céline, oui, si vous avez acheté que la taille 1, 2 ou 3 en séparé, vous avez normalement sur votre compte client la mise à jour.
Alors, on est comme ça. Et quand on ouvre la besace, c'est pour ça qu'elle est niveau débutant. Il n'y a pas de fermeture. C'est éviter de coudre une fermeture. C'est, je voulais vraiment un niveau facile. Elle est toute simple ici. Elle s'ouvre et se ferme avec le rabat. D'accord. Oui, il y a des kits Maya. Et ici, vous avez une poche là qui a une décoration, une petite décoration comme ça. Et cette poche n'est pas spoilée. Donc, ce n'est que du point droit, d'accord? Et ça, c'est la taille 2 que je vous présente. Il y a plusieurs tailles. Je regarde si Monsieur Delinette est revenu. Oui, il est là. Attendez, je lui demande. Est-ce que tu peux m'apporter mon sac à main? Ma besace, s'il te plaît. Voilà, hop! Donc, ça, c'est la taille 2 que je vous montre, d'accord? Donc, ça, c'est la version de base, sans pack additionnel, avec la mise à jour. Alors, je vous montre maintenant la taille 1, c'était la plus petite. Et ensuite, je vous parlerai de la taille 3 et du pack additionnel. Donc, et dans les différences aussi, ça c'était la taille 2, d'accord? Il y avait en fait une sangle, c'était de la sangle toute faite qu'on utilisait pour la lanière et pour les passants de sangle. Ça, je l'ai changé dans la mise à jour. On confectionne notre propre sangle dans du tissu. Et les passants de sangle aussi. Merci Céline, Cécile, ça me fait plaisir. Ah, alors merci beaucoup. Alors, je nettoie un peu mon sac parce qu'il a traîné partout. Je vous parle maintenant de la taille 1 telle qu'elle existait maintenant, d'accord? Et ensuite, vous allez tout savoir, des nouveautés. Émilie, elle dit, ah oui, à Live Couture, j'ai regardé d'autres lives en replay, c'est top. Oui, je vous propose de me rejoindre début juin, c'est du 8 au 13 juin, d'accord? Pour coup de la besace loup, mais pas la version de base, c'est la besace loup version de base, d'accord? Plus pack additionnel, certaines variations, on ne fera pas tout. Et le niveau, ce sera débutant plus intermédiaire. Donc, si vous savez coudre au point droit, vous pourrez me rejoindre. Parce que je sais qu'avec le sac Raphaël, celles qui avaient un niveau un peu moins important, avec les trois fermetures, bah, j'étais frustrée de ne pas pouvoir vraiment participer. Donc là, ce sera accessible à tous dès le niveau débutant plus. C'est-à-dire, il faut faire juste savoir coudre au point droit. Ok ? Donc ça, c'était la taille 1 qu'il y avait avant. Ok, elle est mignonne. Voilà, donc là, on voit mieux. Ça, c'est Didine qui me l'avait cousu pour les salons. Quand Didine coud, et c'était un petit kit que je proposais. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un flex effet velours qui est là. Et vous avez même chose, la petite poche passe poilée derrière, très mignonne. Hop, et quand on l'ouvre, elle avait positionné cette poche devant. Ok ? Bon, je l'ai rembourrée, donc je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'était la besace loup de base. Je vais vous expliquer mon cheminement parce que j'ai fait plein de choses. Je ne me suis pas arrêtée. Et donc, il y a aussi la taille 3, d'accord? La taille 3, je ne l'ai pas cousue en version de base parce que c'est sur cette taille-là que j'ai travaillé sur mes additionnels. Donc maintenant, je vais vous montrer mon sac à main, d'accord? C'est le sac... Alors, il est raté, entre guillemets, c'est mon prototype raté parce que j'ai le bouton pression de la face avant qui n'est pas au bon niveau. Mais vous, c'est nickel. C'est mieux que je me trompe moi que vous. Donc, je vous montre la taille 3. Donc, la taille 3... C'est la taille qui est au-dessus. Donc, on avait taille 1 comme ça, d'accord? Taille 2 comme ça. Et maintenant, je vous montre la taille 3. Vous étonnez pas, le rabat n'est pas pareil parce que c'est là que j'ai commencé à travailler sur mes additionnels. Donc, la taille 3, elle est là, d'accord? Donc, elle est plus grande que la taille 2, si je vous montre. À peu près, je ne sais pas si on voit bien le ratio. On ne se rend pas trop compte comme ça. Donc, la taille 2 et la taille 3. Donc, la taille 3, moi, je l'aime bien comme sac à main parce qu'on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Et vous avez un des premiers additionnels du pack additionnel que vous découvrez là. Donc ça, c'est le rabat bimatière en biais orné d'un passepoil. J'avais envie de changer un petit peu du côté flex sur la face avant. Elle était aussi très mignonne, hein, mais j'avais besoin de changement et de renouveau. Donc j'ai commencé comme ça. Et donc voici, ça c'est la taille 3, d'accord? Version rabat du pack additionnel. Ce rabat, il s'appelle... en biais passepoilé, d'accord? Et c'est d'ailleurs cette variation de rabat que nous allons coudre lors du live, parce que le live, on va coudre une besace loup. Vous pourrez coudre la taille que vous voulez, même la taille 4, que je vous montre après. Et pour que ce soit facile à suivre pour tout le monde, j'ai choisi moi-même les options. Donc la première, ce sera ça, le rabat comme ça, en biais passepoilé. Je trouvais que c'était mignon. Et là, moi, j'ai cousu dans une suédine noire, je ne sais pas si vous voyez. Ok? Donc ça, c'est la première mise à jour de la besace loup. Donc le pack additionnel, bien sûr. Je regarde ce que j'ai fait. Ah oui, et j'ai cousu, comme ça, je vous la montre, la poche droite ici. Hop,
Je vous ouvre pas mon sac parce qu'il y a mes affaires dedans. Donc voilà, la différence, ça c'est la poche droite sur la face avant. Et comme ça, je vais vous montrer par rapport. Hop. Voilà. Et ça, c'était la poche incurvée. Donc ça, cette poche-là, droite ou incurvée, elle fait partie du patron de base, d'accord ? Merci Marion. Et donc du coup, si je vous donne beaucoup d'infos en même temps, mais si vous voulez voir qu'est-ce qui fait partie du patron de base et qu'est-ce qui n'en fait pas partie, d'accord ? Sur la boutique, c'est boutique.dodinette.com. C'est non, patron PDF sac Besaslou, vous avez tout l'explicatif. Quand vous descendez la page, je vous dis voilà le patron de base, il y a ça, 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 voilà l'additionnel, ok? Donc ça, c'est la taille 3. Donc, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y a tellement de choses à vous dire, je vais me perdre. Alors, maintenant que je vous ai parlé de la Besaslou en général, ok, je vais vous dire les additionnels. Donc déjà, dans le patron de base, j'ai revu la taille de la taille 1 parce que je la trouvais trop petite. Donc ça, ça fait partie du patron de base, elle a évolué. Elle était comme ça, d'accord? Et maintenant, je vous montre la taille 1, la nouvelle taille 1. Donc je l'ai agrandie puisque je trouvais que c'était un tout petit peu petit. Et donc je vous montre le sac de mon fils, voilà. Donc la taille, elle est plus grande. Je ne sais pas si vous vous rendez trop compte. Je vais vous mettre comme ça. Donc déjà, la bande de côté a été élargie, d'accord? Ah oui, on voit comme ça. Et en hauteur aussi, et en largeur un petit peu. Si je vous montre comme ça. Du coup, on peut mettre plus de choses, et c'est un format qui permet de ranger plus d'affaires. Et je trouvais que celle-ci était vraiment petite. Elle était mignonne, hein, mais celle-ci, elle est quand même plus sympa. Le tissu, si vous me demandez, c'est un tissu que j'ai trouvé sur Internet, donc je ne l'ai pas parce qu'il est très sympa, mais c'est pour vous montrer plusieurs possibilités. Donc là, j'ai mis de la toile à sac, ça c'est celle qui est sur la boutique, qui est vraiment très très agréable à coudre, et j'ai mélangé avec du coton, ok? Alors maintenant, je vous parle, vous savez, toute la Besaslou, je vous parle des additionnels. Donc dans les additionnels, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver plusieurs formes, enfin, quatre variations de rabat, ok? Donc, j'essaye de vous montrer. Donc ça, c'était l'ancien rabat. Donc on avait soit comme ça, avec, d'accord, le flex, soit uni comme ça. Ok, maintenant, je vous montre les rabats des additionnels. Dans le pack additionnel, vous avez ce rabat-là, donc du coup, en biais basse poilée. Vous avez aussi un rabat que je n'ai pas cousu, qui est comme ceci, vous avez la pièce en bas, et ici vous avez un passepoil à la place du flex, d'accord? Et là, c'est maintenant que ça va vous plaire. Pour les niveaux un peu plus intermédiaires, qui aiment avoir des poches en plus, je vous montre deux rabats différents. Il y a ce rabat que j'ai cousu sur la taille 4, d'ailleurs je vous montre la taille 4, mais je vous la montre mieux après. Voilà, c'est un rabat qui est avec une fermeture, et qui va venir vous rajouter une poche dans le rabat. Donc elle est très très sympa, et les testeuses l'ont beaucoup cousu. Donc ça c'est un rabat du pack additionnel. Hop. Et le deuxième rabat, c'est celui-ci, qui a beaucoup plu aussi. C'est un rabat avec une fermeture en hauteur. Donc ça c'est encore une Besaslou taille 3, d'accord, qui comporte pas mal d'additionnels, donc je vais vous la montrer. Donc moi je suis en miroir, hein, le zip est de l'autre côté. Hop, et donc vous avez une poche ici pour mettre votre téléphone, vos clés, ce que vous voulez pour prendre vos affaires sans avoir à ouvrir le rabat de la besace. Dans les additionnels, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ça, ça va vous plaire aussi. Au dos de la besace, on trouve une poche zippée pour celles qui veulent ranger leurs clés, plus sécuriser cette poche arrière, et du coup elle est plus grande puisqu'elle va de part en part. Alors que la petite poche passe poil, et je vous la montre, là sur la taille 3, elle est là. Voilà. Donc ça c'est ma taille 3, la poche passepoilée, elle a ce gabarit et c'est pour pouvoir prendre ses affaires rapidement, d'accord? Là vous avez une vraie grande poche zippée, donc ça, ça fait partie du pack additionnel. Hop, vous l'avez en toute taille, à chaque fois il y a juste une option que vous n'avez pas, c'est ce rabat là, il s'appelle zippé vertical sur la taille 1, parce que je vous remonte la taille 1, elle est toute petite, elle est là. Et du coup, si je faisais la bande plus la poche, ça vous ferait une mini poche comme ça et ça n'avait pas vraiment de sens. Donc c'est la seule option que vous n'avez pas sur la taille 1, c'est ce rabat-là. Ok ? Sylvie, je vous parle des kits après, sinon je vais m'embrouiller. Je vais vous montrer les différents coloris et tout. Ne t'inquiète pas, vous allez tout savoir et vous pourrez me poser des questions.
Donc ça, c'est deux options, d'accord? Attention, on va soulever, ça, ça va vous plaire aussi. J'en ai cousu combien, Amélie? Personnellement, j'en ai cousu une, deux, trois. Et après, ça, c'est une testeuse qui me l'a cousu. Et puis les deux autres du début, c'était aussi des testeuses parce que à force de coudre, comme j'ai beaucoup de variations, je ne pouvais pas tout faire. Et vous verrez, je vais vous partager la semaine prochaine les modèles des testeuses. Elles ont cousu et recousu des besaces qui sont juste incroyables. J'étais même jalouse tellement c'était beau. Donc, je vous montre un autre additionnel. Vous êtes prêtes? D'accord. Alors, j'ai vu une question. Émilie, elle dit, peut-on prendre le pack? Alors, additionnel, si on a déjà le premier patron, on doit tout reprendre. Donc, Émilie, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez déjà le premier patron, ne prenez que le pack additionnel si vous voulez que le pack additionnel. D'accord? Le pack additionnel, il est à 2,99€. Mais si vous voulez le pack additionnel et la taille 4 que je vais vous montrer après, qui est juste canon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais je vous dis, elle est très très belle. J'ai mis une réduction automatique sur le site, d'accord, de moins 20%. Si vous prenez la taille 4 et le pack, parce que vous avez déjà le reste, vous aurez moins 20% sur ces deux modèles. Allez, j'avance, après je réponds à toutes vos questions. Donc il y a une autre variation, elle est là. Vous reconnaissez cette poche, d'accord, donc c'était la poche. Hop, accès rapide ici, et eh bien elle a désormais une double poche avec une fermeture. Donc on peut ranger ce qu'on a envie, ses clés, je ne sais pas, son téléphone, la liste de courses. Ce qui nous fait plaisir, on a une poche supplémentaire en plus ici. Je vous remontre la version de base pour voir la différence. Hop, elle est là, j'ai trop de sacs sur ma table. Elle est là, donc ça c'est la taille 2, d'accord? Donc on avait cette poche toute simple, et maintenant on a une poche zippée. Voilà. Et j'ai rajouté aussi une fermeture sur le haut. Anne-Sophie, elle dit, je tombe amoureuse de chaque poche, ça me fait trop plaisir. Donc du coup, on peut fermer sa besace en haut pour pouvoir la sécuriser. C'est-à-dire, j'ai mon rabat. Je ne suis pas obligée de le... Il y a un fermoir aimanté ici, d'accord? Je peux le faire comme ça. Ou je ne suis même pas obligée de le clipper parce que j'ai ma fermeture qui sécurise l'intérieur de mon sac. Voilà. Là, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette poche-ci, là, elle peut aussi être cousue en poche de doublure intérieure. C'est-à-dire que dans le pack additionnel, je vous explique comment prendre cette poche et la mettre à l'intérieur pour avoir une poche zippée dans la doublure. Oui, oui, Caro, elle a bien résumé. Elle dit oui, oui, tout plein de zip, c'est ça. C'est la mise à jour du zip. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Vous allez voir. Et pareil, dans le patron de base, c'est ce que je vous disais, je me suis organisée dans mes plans de coupe pour que vous puissiez faire la sangle dans le même tissu que la besace. Je trouvais ça plus sympa. Et également, au niveau des pièces de passant, d'accord? Les pièces de passant ici, c'est des pièces de 3 cm pour la bouclerie. Je vous ai mis en bonus, ça c'est dans le patron de base. Vous avez pour toutes les tailles, la bouclerie pour 3 cm, mais des tailles 1 et 2, je vous ai mis aussi de la bouclerie pour 2,5 cm, donc plus petit. Et pour la taille 4, je vous ai mis 4 cm. Aussi en bonus, vous verrez. J'ai vu passer une question, comment on fait pour la voir? Parce qu'elle hier, elle n'y était pas en ligne. C'est normal parce que la sortie était aujourd'hui, mais maintenant, elle est sur la boutique. Si vous voulez aller voir, vous allez la trouver. Dans les nouveautés que je vous propose pour la besace loup, vous avez aussi une option. Parce que vous savez, j'aime beaucoup proposer plein d'options. Après, je vous montre la taille 4 parce qu'elle est très belle. Les différentes options, vous pouvez soit commander à la taille, d'accord? Donc une taille c'est 4,10€, le patron PDF. Soit en combiné des 4 tailles, donc c'est 6,60€. Sinon, il y a 4 tailles plus pack additionnel, normalement c'est 7,99€. Il y a une promotion de moins 20% en ce moment, donc 6,39€. Et il y a une quatrième variation qui a été ajoutée. Je propose pour celles qui le voulaient, parce que vous avez été nombreuses à m'écrire, de commander tout le patron, d'accord? Le patron de base plus le pack additionnel plus donc au format A4 plus le fichier A0 pour faire tirer ce patron chez un imprimeur et pas avoir à scotcher toutes les pages, d'accord? Donc ça c'est une option en plus. Donc comme moi vous savez mes tarifs ils sont pas très chers, je pouvais pas vous mettre le A0 dans le combiné parce que sinon j'ai passé beaucoup de temps et du coup c'était donner mon travail. Donc celles qui sont intéressées, vous verrez sur la fiche produit, vous avez le A0, c'est un tarif de 3€ de plus pour avoir le fichier A0 pour faire un tirage vous-même chez un imprimeur. Vous avez bien sûr le A4. J'ai l'impression de vous donner plein d'infos, j'espère que je vous ai pas trop noyé. Je vous montre maintenant
La taille 4, je l'ai remplie, donc elle est un petit peu lourde, qui va servir de sacoche, parce que Raphaël, je sais que vous l'aimez beaucoup, Raphaël, c'est une sacoche pour ordinateur, mais la taille 4, j'avais envie de la besace loup vous faire une sacoche facile à coudre. J'ai pensé à la rentrée, aux étudiants, tout ça. Vous allez voir, elle peut contenir beaucoup, beaucoup de choses. Alors, voici ma taille 4. Alors, elle est lourde parce que je l'ai chargée à bloc. Donc ça, c'est la taille 4 qui vous permet de coudre une sacoche, d'accord ? Je vous la montre. Je l'ai faite pour qu'elle puisse contenir un format A4. Alors, donc ça, c'est la poche zip et enviée. Donc là, bien sûr, on peut ranger des choses, d'accord ? Hop ! Il faut que je me fasse les muscles. Quand on ouvre la sacoche, on trouve la poche avant. Donc moi, j'ai choisi la poche droite, mais vous avez aussi la poche incurvée, bien entendu. Elle a toutes les options des autres aussi, d'accord ? Donc, et j'ai fait exprès de vous mettre ça pour vous montrer qu'on peut rentrer une pochette A4 sur la face avant. Et ça, c'était important pour moi. Je vais la délester au fur et à mesure, ça sera moins lourd à porter. Je vous montre du coup la pièce zippée de haut, ok, qui s'ouvre entièrement. Donc j'ai une fermeture, c'est pareil sur les autres, mais je vous montre sur la grande, c'est plus facile. J'ai une fermeture qui est plus longue, qui permet de vraiment ouvrir en grand ma besace. Et vous voyez qu'elle contient beaucoup de choses. On peut mettre un classeur format A4 sans problème. Vous avez de la place encore sur les côtés. Si vous vous posez la question d'un cahier grand format, c'est possible aussi. Voilà, il va rester mon agenda. Et vous avez de la même manière que sur les autres besaces, une poche du coup de doublure. Vous pouvez faire une poche zippée, hein. Moi je ne l'ai pas faite, du pack additionnel. Voilà, et elle contient beaucoup de choses, hein. On peut vraiment ranger beaucoup de choses. Vous la voyez un peu plus en détail. Et là, hop, au dos, on a la poche zippée. Ça c'est celle du pack additionnel, hein. J'ai créé mon modèle en sur-mesure en fonction de mes envies et de ce que j'avais envie de faire. Donc voilà. Donc ça, c'est la taille 4 qui est faite avec le pack additionnel. Mais si vous n'avez pas envie de partir sur mille et une poche, la taille 4 du patron de base, vous pourrez vraiment faire aussi une jolie sacoche. Vous n'aurez pas juste toutes les options en plus, mais c'est possible. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup. Elle est là et en fait, je l'ai cousue, mais je pense que je vais la garder pour moi. Généralement, je ne garde pas grand-chose pour moi, mais celle-ci, je vous dis... J'en suis tombée un petit peu amoureuse, j'ai trouvé vraiment chouette. Donc au choix, soit vous faites vous-même votre sangle, d'accord ? Soit vous pouvez utiliser de la sangle toute faite. Je vous ai mis dans le tuto à chaque fois quelle bouclerie correspond à quoi. Donc ça c'est une sangle de largeur 3 que j'ai utilisée. Mais sur la taille 4, vous pouvez aussi, vous avez les passants pour faire utiliser une sangle de largeur 4 cm. Parce que quand c'est très lourd, je me dis que c'est pas mal d'avoir une sangle plus large aussi. Merci Sophie pour tes étoiles, merci beaucoup. Et je vous montre du coup la taille 1 que j'ai cousue pour mon fils. C'est la version taille 1, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais elle a plein d'additionnels. Oui, Nathalie, elle dit le plus difficile sera de choisir. Oui, mais vous allez voir, c'est un patron addictif, attention. Donc là, je vous montre, donc c'est une sangle 3 cm, d'accord. Et moi, sur le modèle de mon fils, j'ai mis une 2,5. C'est possible aussi puisque vous avez les deux pièces de passant à chaque fois dans le patron. Et je vous la montre parce que je la trouve cool. Limite, je la garderai bien pour moi. Je dois vous avouer. Hop. Donc, sur la face avant, moi, je suis partie sur la poche droite. Vous voyez, pas se poiler avec le zip parce que dans le pack additionnel, vous pouvez vraiment faire les deux poches. D'accord ? Donc, j'ai mis ça comme ça et ici. Alors, on s'amusait avec mon fils à le remplir pour vous montrer. Donc là, qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis son MP3. Voilà. Ensuite... Information pour les ados qui aiment les livres, les mangas. Elle s'adapte parfaitement au format manga. Donc, si on ne met pas la pièce zippée, hein, sinon ça vous descend un petit peu la hauteur. Et donc là, il y a deux livres dedans. Parce que lui, il voulait un sac pour, parce qu'il adore lire. Donc, avoir toujours ses livres sur lui. Et il y a aussi la poche de doublure. Je l'ai fait plus simple. Hein, je n'ai pas décoré. Mais vous voyez qu'on peut vraiment séparer, mettre ses stylos, ce qu'on a envie. Voilà. Et je vous montre le dos. Je suis partie... sur la poche droite comme ça, zippée pour mettre les clés et tout ça. Donc voilà, vous avez toutes les infos, vous avez tout vu. Salut Alex, ça va? Donc j'espère que ça vous plaît, j'ai l'impression. Émilie a dit addictif comme tous les patrons de Dinette. Oui, c'est vrai. Mais même moi, hein, j'ai envie d'en coudre encore d'autres, malgré le fait que j'en ai quand même cousu 4. Voilà, donc vous savez tout sur la besace loup.
Dites-moi, est-ce que vous avez des questions, surtout sur cette partie-là, et après je vous explique la suite, le live, les kits, les nouveautés, tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, en termes de tissu, vous pouvez utiliser, je vous ai tout listé dans le patron comme d'habitude, je vous conseille un tissu uni et un tissu imprimé, d'accord? Tissu uni, toile à sac, c'est canon, donc c'est celle-ci. Ça, c'est de la toile à sac, un nouveau coloré sur la boutique, c'est turquoise foncé. Mais prenez pas une toile à sac très très épaisse. Moi, celle que j'ai en ligne, elle convient parfaitement. Vous pouvez décliner. Arlette, la dimension pour la nouvelle taille 1, il faut que tu regardes sur le site parce que je la connais pas par cœur. Je peux j'ai même pas un mètre là. Je pense que c'est mieux d'aller voir sur le site, mais de toute façon, je vous ferai un récap sur les réseaux. Vous pouvez utiliser du simili à partir du moment où il n'est pas trop trop épais. Ok, et vous pouvez choisir, c'est pour ça que vous allez voir, il y en a plein de différentes. La bande de tour de sac, soit vous mettez le motif à l'extérieur, d'accord, ou dans la doublure. Donc moi j'ai inversé, là j'ai le simili dedans. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et sur celle-ci, en toile à sac, j'ai préféré avoir le côté uni là. Et dedans, vous voyez, j'ai l'imprimé. C'est vous qui décidez au moment du montage, je vous ai tout indiqué. En suédine aussi, c'est très très joli. C'est d'ailleurs la matière que j'ai choisie pour les kits. Donc en suédine, t'as un bon maintien. En plus, elle est toute douce. J'arrête pas de caresser mon sac. Donc ça c'est vraiment très agréable. Et c'est ce que j'ai fait aussi sur ma taille 4 parce que je trouvais que c'était lumineux. Voilà, donc ça, c'est une suédine avec une popeline que j'ai entoilée. Catherine, elle dit, j'ai déjà l'ancienne version, dois-je racheter ce patron? Non, Catherine, tu n'es pas obligée de racheter ce patron. Tu vas sur ton compte et tu télécharges l'ancienne version. Tu auras la mise à jour de toutes les tailles que tu as déjà achetées, mais sans pack de variation, d'accord? Donc, c'est vous qui savez si vous l'avez déjà commandé ou pas. Si vous avez déjà commandé les tailles, ne commandez que le pack de variation et éventuellement la taille 4. D'accord? Alors, j'ai vu une question. Séverine, pour la taille 4, peut-on mettre du poids? Ah, j'ai perdu ta question. Ça a défilé tout vite. Parce que les cahiers, c'est lourd. Oui, tu peux. Moi, ce que je te conseille, moi, celle-ci, mais tu verras dans le patron, il y a deux types d'entoilage différents, ok? Là, j'ai utilisé de la ouate. Soit on reste sur de la H250 pour avoir un modèle assez léger. Là, j'ai mis de la ouate entre les deux, donc ça lui fait un bon maintien. Mais j'ai aussi des testeuses qui ont mis de la mousse sur résille dans la doublure. Et vraiment, elles ont encore un maintien plus important. Si tu sais que tu vas mettre du poids, ce que je te conseille, c'est ici de venir vraiment renforcer tes coutures. D'accord? Et quitte peut-être, tu peux aussi t'amuser à voir la sangle qui passe en dessous. C'est toi qui décides. Après, c'est à l'utilisation qu'il faut voir, mais choisis des matériaux qui sont quand même résistants. Par exemple, ne fais pas un coton ici et ici parce que ça n'ira pas du tout. Merci Julie. Julie, elle nous donne les tailles, les dimensions de la taille 1. Alors, je regarde vos commentaires parce que ça a défilé très très vite. Est-ce que sais-tu nous remontrer la taille 2? Merci beaucoup. Alors Cécile, je te montre la taille 2. Elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué en taille. Parce que je trouvais qu'elle avait une taille qui était parfaite. Enfin, moi, qui correspondait à mon envie, donc elle est ici. Voilà. Et après, vous avez une lanière réglable, hein, d'accord? Vous faites vraiment ce que vous voulez. J'ai pas assez de recul là, mais ça fait à peu près ça. Voilà. Donc, il y a taille 1, 2, 3. 3, c'est un peu plus grand. Taille 2, moi, j'irais plutôt porte sac à main. Taille 3, c'est besace. Si, par exemple, moi, j'ai un pull ou quelque chose, je peux le mettre dedans sans problème. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous parle du live et de ce qu'on va coudre ensemble? Oui, aussi, Anne-Sophie, elle dit poser des rivets sur les passants de sangle peut être un plus. Oui, c'est une bonne idée, mais attention de ne pas poser le rivet sur la couture d'assemblage, d'accord? Donc, à la rigueur, vous pouvez agrandir un petit peu le passant de sangle pour qu'il aille plus bas et venir vous mettre un rivet. C'est une très bonne idée aussi, pour le poids. Ça peut être très chouette de faire ça. Du coup, la toute petite besace va disparaître. Séverine, la toute petite, elle est là, oui, elle a disparu déjà de votre compte normalement. Mais honnêtement, elle est un tout petit peu plus grande celle-ci, hein, pas beaucoup, regarde. C'est juste que là, quand on mettait un portefeuille, c'était quand même un petit peu compliqué. Et surtout, sur cette taille, si je vous mettais la pièce zippée de haut, ici, ça faisait un tout petit zip et c'était vraiment trop petit, d'accord? Oui, Marie-Thérèse, il y aura un replay, ne t'inquiète pas, tu pourras regarder la suite plus tard. Donc, j'ai juste agrandi et aussi, mais pas beaucoup, hein, en largeur, oui, largeur comme ça, ici aussi, un tout petit peu en hauteur. Et là, du coup, vous pourrez poser cette pièce, d'accord? Les testeuses l'ont fait. Moi, j'avais prévu de le faire, mais en fait, c'est comme je voulais mettre des mangas, du coup, au dernier moment, je ne l'ai pas assemblé. Hop, voilà.
Bah, je suis contente que ce patron vous plaise, que la mise à jour vous plaise, dans les nouveautés aussi. Je voulais vous la montrer là, mais elle est en cours d'impression. C'est le... Alors, est-ce que vous avez vu ma question pour les kits, Carole? Carole, j'ai pas vu ta question, mais il faut que je t'envoie un mail d'ailleurs. Donc, ce que je voulais vous dire, la nouveauté, elle arrive la semaine prochaine. Je l'ai déjà mis en précommande sur la boutique parce qu'elle est en cours d'impression. Vous avez été nombreuses à me demander des patrons pochettes. Donc, je me suis dit, allez, allons-y pour la Besace Lou. Donc, la Besace Lou, celle-ci, le patron de base plus le patron pochette, d'accord. J'ai fait, enfin, patron de base plus le pack additionnel, je sais même plus ce que je raconte tellement je vous dis de choses, va sortir en patron pochette, c'est-à-dire que vous pourrez recevoir chez vous une jolie pochette avec le patron imprimé au format A0 et les explications à télécharger sur votre compte client comme d'habitude. Donc, je les reçois la semaine prochaine, elles sont en cours d'impression. Dès qu'elles arrivent, je vous les montrerai parce que j'ai vraiment hâte. Il y a des gens qui me disaient, bah voilà, dématérialiser c'est bien, mais un... J'ai pas envie d'imprimer plein de feuilles A4. D'ailleurs, faut que je vous montre. J'ai aussi travaillé sur les patrons, sur la mise en place du patron. Je vais vous le montrer. Et j'aimerais bien avoir un ouvrage à toucher. Donc ça, vous allez voir que c'est sur le site, mais je vous montre la semaine prochaine. Nathalie, le tissu Maillero Academia, je n'ai pas de kit parce que c'est un tissu que j'ai acheté en ligne. Mais je vous mettrai bien entendu la référence si vous voulez faire la même. Je vois pas l'intérêt de l'acheter le tissu chez un revendeur et ensuite de vous faire un kit. Je préfère que vous alliez directement le prendre. Je vous mettrai le lien. Dans les choses qui ont changé, ne soyez pas étonnés pour ce patron. J'ai travaillé aussi, alors on est en miroir, d'accord, sur la mise en page des patrons d'Odinette. Ok. Là, je vous montre ce que ça donne maintenant. Avant, il y avait des petites flèches à reconstituer. J'ai vraiment travaillé en profondeur sur ce modèle, d'accord. Et les prochains patrons seront comme ça aussi, parce que c'est un peu plus sympa, un peu plus design et plus moderne. Donc, je vous montre un exemple avec la taille 3. Donc, la première page, vous allez avoir toujours le titre, votre carré test, etc. Et ensuite, vous allez avoir en page 2 un plan d'assemblage du patron. Vous voyez toutes les pièces et les pages sont numérotées. Par exemple, là, 1, 2, 3, dans ce sens-là, 4, 5, 6, 7, comme ça. D'accord ? Et ce qui va vous permettre de voir toutes les pièces comme ça. Et ensuite... L'assemblage a changé, c'est-à-dire que vous allez avoir, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a le chiffre 8 en gris clair. Vous avez un numéro sur chaque page, donc là c'est la 14, et là c'est la 8. Donc si on regarde ici, dans le plan d'assemblage, la 14 est là et la 8 est ici. Et en fait, vous allez reconstituer votre patron en scotchant les pages, d'accord, dans l'ordre d'assemblage et en venant reconstituer le bord de la pièce, du rond. C'est-à-dire qu'on va couper... cette partie de la feuille et on va venir coller en face, ce qui va vous permettre, comme les patrons de vêtements, d'avoir toutes les pièces reconstituées, hop, avant de les découper. Donc tous les patrons sont comme ça, ne vous étonnez pas si vous êtes de Dinette Addict, ça va vous changer un petit peu, mais dans le patron, rassurez-vous, je vous explique bien sûr comment le reconstituer. Et donc ça vous permet, je trouve que c'est pas mal parce qu'en une seule page, vous voyez la forme des pièces et tout ça. Nathalie, oui, plus facile. Alors, vous allez voir, au début, ça va un peu vous surprendre, mais ça va bien se passer. Voilà. Donc, vous savez tout sur les nouveautés. Angélique, elle dit, je suis au boulot et je tente de suivre discrètement. Je vais essayer de parler moins fort, Angélique. Caro, elle aime bien les nouvelles mises en page de patron. Eh bien, super. Donc, vous allez voir... toutes les tailles. Donc, même si vous aviez lancé un patron, d'accord, vous avez la mise à jour avec ce nouveau patron sur votre compte client, d'accord. Ce ne sera pas l'ancien patron. Là, si vous l'aviez déjà commandé, vous avez toute la mise à jour, bien entendu. Bonjour, bonjour, baby love. Alors, je ne sais plus ce que je devais vous dire. Si, donc, je vous récapitule la promo du moment, d'accord, parce que quand il y a un nouveau patron qui sort, je fais toujours une réduction. Donc, la Besace Lou, attendez, je vous la remontre. Si vous voulez commander une taille, donc elle existe en taille 1, 2, 3, 4. Oui, baby love, j'arrive. C'est ce que j'allais vous dire. Une taille, c'est 4,10€, d'accord. Si vous prenez le combiné des 4 tailles, c'est 6,60€, parce que forcément, c'est dégressif. Et il y a une réduction de moins 20% en ce moment en sortie de patron sur le combiné des 4 tailles. La réduction, elle est jusqu'au 27. Mais c'est moins 20%.
Ensuite, vous avez le pack le combiné des 4 tailles plus le pack additionnel des 4 tailles, d'accord? Normalement, c'est 7,99€, mais là, vous avez une réduction à 6,39€. Alors, est-ce que le patron sera valable comme les derniers sur un laps de temps défini? Jennifer, le patron, il est valable pour tout le temps. J'ai pas trop compris ta question. Si tu as envie de me la reformuler. Et celles qui veulent le combiner, donc les 4 tailles plus le pack additionnel plus le format A0, d'accord, ça aussi il y est, mais j'ai pas noté le prix parce que j'étais un peu en retard pour le live, mais allez voir, il est aussi moins cher en ce moment. Alors, merci beaucoup. À quelle heure, s'il te plaît, heure réunion? Alors, Baby Love, je suis pas au courant trop des décalages horaires avec la réunion, donc peut-être que Claire qui est là ou quelqu'un d'autre va pouvoir te répondre. Pour les live couture. Donc les live couture, on va coudre la besace loup. J'ai choisi déjà certaines variations pour vous. Si vous prenez un kit, vous aurez toutes les infos aujourd'hui. Enfin, dès que vous commandez votre kit, vous aurez les infos sur votre client. Si vous voulez choisir vos tissus, il va falloir me laisser un peu de temps. Je vous le ferai en début de semaine prochaine sur le blog. Je vous dirai exactement quelle variation on va faire. Je vous le ferai à l'écrit, mais je vous le dis. On va coudre la besace loup avec le rabat comme ça. En biais passe poilé, d'accord, et puis on va coudre la poche derrière passe poilé parce qu'elle est un peu technique, d'accord, donc c'est pour ça que je vais faire celle-ci. Si vous voulez avec vos propres tissus faire la variation zippée, vous pourrez faire ce que vous voulez. En tout cas, moi dans le live, je vais développer cette variation là et nous allons aussi coudre, hop, ici la pièce zippée de haut de sac, ok. Pourquoi j'ai choisi ces variations là? Parce que ce sont des variations qui sont faciles, c'est-à-dire dès le niveau de débutant plus, sans problème, vous pourrez faire le rabat, la poche et cette partie-là ensemble, vous y arriverez, on va y aller tout doucement. Et si vous savez coudre une fermeture, d'accord, eh bien vous pourrez mettre cette pièce-là. Voilà, donc ça c'est la variation que je vais faire moi en live et devant j'ai choisi la poche incurvée, vous verrez. Ok, je vous mettrai en place le début de semaine prochaine sur le blog les plans de coupe, etc. pour les gens qui ne prennent pas de kit et qui veulent choisir leur tissu. Alors, j'ai vu passer un petit mot de Josette, mais j'étais en train de parler et je ne l'ai pas lu. Alors, j'essaie de le retrouver. Ah, Josette a dit, pour moi, ce sera le pack en A0. Mes yeux seront ravis de ne pas faire trop d'efforts. Alors, Josette, il y a deux choses. Il y a le patron PDF, donc le A4 comme d'habitude, plus A0, ou le patron pochette, qui arrive la semaine prochaine, je vous le remontrerai. Et pochette, vous avez directement la planche de patron A0 imprimée, fournie en papier dedans. Voilà, donc c'est chacune choisit ce qu'elle a envie. Oui, 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 Lisa, tu auras accès gratuitement à la mise à jour. Elle est sur ton compte client, mais elle ne comprend pas le pack additionnel avec toutes les variations de rabat, etc. Parce que ça, c'est en plus, comme dans les derniers patrons, toujours le patron de base et le pack additionnel. Et il n'y a pas non plus la taille 4. Je rassure encore une fois celles qui ont déjà commandé le patron besace loup qui ont déjà les tailles 1, 2, 3. Si vous commandez la taille 4 plus le pack additionnel, donc juste ce qui vous manque, vous avez moins 20% dans votre panier directement. D'accord, je vous ai fait une réduction pour vous. Alors, Amandine, elle dit, on va rentrer dans le vif du sujet, elle a bien raison. Tu peux redonner les dates du live couture. Donc le live couture, il va se dérouler du 8 juin au 13 juin. Comme d'habitude, on va se retrouver tous les soirs en live. Donc, ce sera 18h30 suite au sondage que j'ai posté. Ok. Le principe va être d'avancer notre ouvrage tous les jours un petit peu. On va faire un live de, allez, 1h30, 2h maximum par jour, pas plus. Et à chaque fois, après le live, vous aurez accès à un replay. Le replay va durer dans le temps, d'accord? Il va rester indéfiniment, donc vous pourrez y revenir même plus tard si vous ne participez pas au live, mais que vous avez envie de voir certaines étapes, ce sera possible. Catherine, elle dit, c'est une très bonne idée, le patron pochette, merci, avec plaisir Catherine. Je te le montre la semaine prochaine quand il arrive et je vais aussi proposer d'autres modèles qui sont très grands. Par exemple le sac Hugo, le sac Raphaël, tout ça, mais il faut le temps que je travaille dessus. Alors, pas de son sur ce live, sur autre vidéo, ça marche. Laurence, elle n'a pas de son. Je pense que les autres ont du son puisqu'elles répondent. Dites-moi si tout va bien. Josette, elle dit, j'attendrai sans problème la semaine prochaine. Eh ben, elle n'a pas encore ses lunettes. Ça te laisse le temps, Josette, de préparer tes lunettes et je vous le montrerai dès que je l'aurai en main. Voilà, ça va être... c'est autre chose, hein. C'est la suite de l'aventure avec le papier, la belle pochette, tout ça. Oui, Cécile, la pochette, c'est format papier.
Je vous la montre. Je vous l'ai mis en ligne, comme ça vous pouvez commencer à voir. C'est dans Patron Pochette, pour l'instant il n'y en a qu'une. Mais si vous voulez attendre de voir comment elle est, je l'aurai la semaine prochaine. Voilà, Sophie elle dit tout est ok pour le son. Eh bien très bien. Alors, donc, pour le live couture, revenons à nos moutons. Du 8 au 13 juin, d'accord ? Le 8 juin, donc j'ai préparé le programme, je vous le posterai la semaine prochaine, parce que là je vais prendre une petite pause ce week-end. Tous les jours, on va avancer notre ouvrage. Le premier jour, ce sera un récap des découpes et des entoilages et préparation de plusieurs pièces. Vous allez avoir le programme à l'avance, donc vous pourrez très bien vous dire, bah ça, j'ai pas besoin d'aide, je viens que tel jour, ou je fais tout parce que je suis dodinette addict et j'ai envie de le faire tous ensemble. Ce sera pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde, la besace en couture, baby love, oui. Si tu sais coudre au point droit, tu n'auras pas de problème. Alors, Claire, elle a donné les dates, c'est parfait. Et du coup, comme je sais que vous aimez les kits, pour le live couture, je vous ai préparé des kits. Alors, j'ai fait beaucoup de coloris différents parce que les kits vous permettent de faire la taille de votre choix, de la taille 1 à la taille 4. Je vous remontre la taille 4 et la taille 1 pour comprendre la différence en termes de tissu. D'accord ? La taille 4, la taille 1. Donc, bien évidemment, si vous prenez un kit, vous faites la taille 1, il vous restera énormément de tissu et vous pourrez faire sûrement une seconde besace. Josiane, je te réexplique après sans problème. Voilà, bon, il faudra racheter des passants et tout ça, mais vous aurez plus de tissu. Si vous décidez avec votre kit de faire la taille 4, d'accord, vous pourrez faire la taille 4 et il ne vous restera pas de tissu pour faire quelque chose, quelque chose d'additionnel à côté. Elisabeth, elle dit les kits sont super, mais ben merci, je pense qu'elle a été voir déjà. Donc du coup, je vous montre les différents kits. Donc, j'ai fait beaucoup de coloris différents. Pourquoi ? Parce qu'il me faut quand même 1 mètre de coton imprimé par kit, donc il y a quand même pas mal de tissus, et que ben, les rouleaux ne sont pas extensibles. Donc, il y a beaucoup de coloris, mais ils sont en série limitée, c'est-à-dire que j'ai à peu près... une vingtaine de pièces par modèle, d'accord ? Donc s'il y a un modèle qui vous plaît, je vous conseille de ne pas tarder pour le commander parce que simplement, quand les 20 pièces seront épuisées, il faudra que je rachète du tissu. Donc rassurez-vous, si vous avez un coloris coup de cœur que vous voulez absolument, absolument, mettez-vous, vous verrez s'il n'y en a plus, en liste d'attente. Moi, je vois la liste d'attente et quand je remets du réassort, vous avez un mail qui vous dit « Vite, les kits sont revenus !» Ok, donc je vais vous montrer la collection. S'il n'y a pas assez de modèles, je ferai du réassort la semaine prochaine. On a un peu de temps parce que c'est le 8 juin, le live. Donc voilà, je vous montre ce qui est disponible maintenant, sauf si vous avez commandé entre-temps, ok ? Et après, je réponds à vos questions parce que je vois que le A0 PDF et le A0 pochette, ça perturbe certaines. Elles veulent savoir les différences, donc je vous explique après. Ah, Stéphanie, Aguirre, je t'avais pas vu, coucou. Il y a trop de monde, faut patienter. Oui, alors, si le site... Quand vous y allez, mouline et fait erreur 503, c'est que vous êtes trop nombreuses pour le serveur. Donc, il faut revenir après. D'accord ? Allez, je vous montre les différents kits. J'ai mes chouchous, vous allez me dire lesquels vous plaisent. Hop. Et Amélie, elle dit, il faut commander kits et pochettes. Eh bien, Amélie, tu vas voir sur le site, il y a plein d'options. Soit tu dis, moi, je veux le patron pochette, j'ai pas envie d'imprimer, etc. Tu prends le kit sans patron, d'accord ? Et tu commandes ton patron pochette à côté. Tu auras quand même les explications de découpe du kit et tu attends d'avoir ton patron pochette. Soit tu dis, je veux le kit avec, je sais pas, le patron taille 3 en PDF. C'est possible. Et c'est aussi possible d'avoir, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, il y a plein de variations, vous verrez. Le kit taille 1 avec les gabarits imprimés. Ça, c'est possible aussi dans le kit. Si c'est gabarit imprimé, c'est moi qui imprime, donc c'est forcément du A4 à scotcher. Mais si vous n'avez pas d'imprimante et pas envie de prendre le patron pochette, vous pouvez prendre cette option. D'accord ? Vous avez, voilà, il y a, chez Dodinette, on fait ce qu'on veut en réalité, pour résumer. On coud la besace qu'on veut, avec poche, sans poche, dans les tissus qu'on veut. Pour les kits, c'est pareil, on fait ce qu'on veut. Moi, j'aime pas imposer des choses. Donc voilà, tout est possible. Je vous montre les différents kits, vous allez me dire lequel vous préférez. Alors, ça, il faut que je tire mon bac. Hop ! Que j'ai mis mes besaces partout, là. Il va falloir que je fasse un peu de ménage. Alors, je vous les montre. Donc, pour les kits, majoritairement, je suis partie sur un rendu. Vous allez avoir un rendu avec ces tissus-là. J'ai vu qu'il y avait une question sur la taille 4. D'accord. La taille, elle est sur la boutique. Je vous remettrai toutes les infos sur le blog aussi. Vous verrez la semaine prochaine.
Si tu es saturé, prenez votre temps, n'allez pas tout chercher le patron. La réduction, c'est pendant une semaine, d'accord? Il y a vraiment, vraiment le temps. Et après, il faut que je vous parle des jours anniversaires. Donc, le rendu, ça va être comme ça. Vous avez à chaque fois un coton imprimé, d'accord? Et de la suédine. Donc, c'est une suédine et un peu de lumière là, avec, je ne sais pas si vous voyez, du coup, qui est lumineuse et qui est vraiment très agréable à travailler. Franchement, moi, je me suis régalée. Donc, je vous montre les différents coloris. Vous avez celui-ci, d'accord? Donc ça, c'est un tissu que vous aimez beaucoup. Et j'ai mis une suédine rouge avec. Et à chaque fois, vous avez tout ce qu'il faut. Donc la bouclerie ici, le passepoil et la fermeture. J'ai vu une question tout à l'heure, le passepoil est-il compris dans les kits? Oui, il est compris pour passepoiler deux choses. Le rabat qui va être en biais et une des poches. Soit extérieur, soit doublure. Je vous le dirai au moment du montage. Ok, on verra ensemble et je vous dirai ce qui est possible ou pas. Donc ça... c'est le rouge qui est vraiment très lumineux, très sympa. Il y a celui-ci. Je vous dirai mon préféré après, vous me direz aussi. Alors, le tissu n'est pas mis dans le bon sens dans le kit, il est normalement comme ça. Et puis, il est dans l'autre sens. Donc, ça, c'est l'éventail pastel, je l'ai appelé, avec une suédine. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est anthracite. Donc, elle est lumineuse et elle reste foncée, mais sans être noire. Ah, Elisabeth, Alice, et celui-ci, c'est en chouchou. Trop beau celui-là. Oui, il est très chouette. Et avec, je vous ai mis un passepoil du Rex. Voilà. Alors, les coloris des fermetures sont toujours coordonnés au kit, mais j'ai différents types de fermetures parce que je vais, en fonction des arrivages, ça change. Donc, vous avez soit des fermetures comme ça, et ben du coup, elles sont toutes nylon. Nylon comme ça, avec un curseur du même coloris, soit un curseur argenté. Je vais attendre d'en avoir un pour vous montrer. Hop. Alors, celui-ci, j'aime beaucoup ce tissu-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un petit rayon de soleil en plus. Donc celui-ci, les petites fleurs, des petits pois, il est très sympa, printanier. Et là, c'est une suédine qui est prune. Je vais vous montrer la différence avec le rouge. Voilà, la différence. Rouge, et là, vous avez prune. Vous voyez, il y a un ton de différence quand même. Voilà, donc celui-ci est passepoil lurex, or. Ensuite, il y a ce tissu-là. J'avais craqué quand je l'avais vu. Alors pareil, il se voit comme ça. Ce sont des fleurs, un effet un peu peinture, vous voyez, il y a plein de nuances comme ça. Je pense que pour l'été, ça va être très, très beau. Hop, et vous avez la suédine ici qui est anthracite. Alors, quelle différence entre la suédine et le coton? Eh bien, Émilie, la suédine, alors c'est une matière qui va être un tissu d'ameublement qui va être à un toucher un peu peau de pêche, tu verras. Le coton est vraiment plus léger et aérien, le coton imprimé, et du coup, c'est quand même pas mal dans les kits, enfin dans ta besace en tout cas, d'avoir un tissu qui a plus de maintien que l'autre. Tu verras, j'explique tout ça dans le patron. J'ai vu passer une question. Hop. Difficile le choix d'équipe, trop top. Eh ben merci Baby Love. Alors, hop. Très joli avec les fleurs, c'est mon préféré, elle dit Carole. Il est trop beau celui-là, Françoise, et bien merci beaucoup. Et j'ai choisi un passepoil rose parce qu'il y a des petites nuances de rose. Et je pense que ça va vraiment rehausser la suédine anthracite comme ça. Alors, oui, je vois Sophie, je vous finis de vous montrer les kits et après je vous explique toutes les différences de toutes les options de dinette, PDF, papier A4, pas A4. D'accord, je vous explique tout après. Sinon je vais perdre le fil de ce que je suis en train de faire. Alors, il y a celui-ci. Celui-ci, il est chic. Alors, il est foncé. Moi, j'aime les sacs foncés. Mais je trouve qu'il a son petit côté cachet au chic. Donc, c'est celui-ci, fleur de coton. Vous voyez, dans les tons un petit peu ocre. Et j'ai mis une suédine noire avec. Et je suis venue avec un passepoil durex bronze. Ça va souligner. Je vous le mets un peu au soleil. J'ai vu qu'il y a un petit rayon de soleil là. Voilà, ça brille. Il est vraiment sympa aussi. Voilà. Nous avons un tissu que vous aimez beaucoup, que vous avez beaucoup aimé sur Raphaël. Là, je l'ai choisi en rouge et bleu. C'est le tissu Flora, qui va être pour l'été, je pense, très très chouette. Donc, je suis partie sur ce tissu-là et je l'ai coordonné avec une suédine, voyez au soleil là, qui est plutôt grise, qui est moins foncée que l'anthracite. Et je pense qu'elle va être très très lumineuse. Et je suis venue passepoiler avec un passepoil rouge. Florence, elle dit le site bug, j'arrive pas à payer. Oui, bah, c'est que vous devez être trop trop nombreuses sur le site. Il faut attendre un tout petit peu. Si vous êtes nombreuses, c'est sûr qu'il va rencontrer quelques petits problèmes. Je vous montre la différence avec celui-ci. Donc ça, c'était anthracite, le coloris de suédine. Vous voyez au soleil que ça donne. Et là, donc il y a un ton quand même, il est plus clair. Hein.
Ensuite, nous avons... Ah, c'est mes chouchous. Attendez, je garde tous mes chouchous pour la fin. Vous allez savoir, tant pis. Hein. Le rouge, puisque vous aimez le rouge. Donc, Suédine rouge et tissu coquelicot, qui vous a beaucoup plu l'été dernier. Donc, je l'ai remis. Et passepoil lurex, là, vous voyez, qui brille bien doré. Alors, Baby Love dans les kits, le patron était-il compris? Ça dépend ce que tu choisis. C'est toi qui décides. D'accord? Donc, c'est toi qui décides si tu prends le kit sans patron, si tu as déjà le patron. Si tu veux prendre avec patron, c'est toi qui choisis tout. Il ressemble à Raphaël, celui-ci, oui, il est vraiment sympa. Alors, nous avons ce tissu-là que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-ci, c'est le seul, on dira, l'intrus, entre guillemets, parce que je l'ai mis avec du velours côtelé et pas de la suédine, parce que je trouvais que mon velours côtelé, il avait... un coloris qui s'assortissait beaucoup mieux avec, je pense qu'il va vous plaire. Pas de kit un peu masculin, je vais pas avoir Sarah. Pourquoi? Parce que, alors attends, hop, c'est pas Sarah, c'est Anne-Sophie. Parce que souvent quand je vous fais des kits masculins, je sais que vous en cherchez, mais c'est ceux qui restent parce que généralement vous cousez plus pour vous. Donc si vous voulez quelque chose de masculin, bah, à ce moment-là partez sur des tissus au mètre. Je pense que de la toile à sac peut être vraiment très sympa aussi. Donc je vous montre celui-ci, donc ça c'est votre tissu chouchou hein, du moment, voilà, il est là, et je suis venue le mettre avec, je ne sais pas si vous voyez bien, avec un velours côtelé bleu marine, exactement comme sur la trousse Raphaël, et je suis venue avec un petit passepoil ici, voilà. Alors, je regarde vos questions parce que c'est passé très vite. Ça va être dur de choisir, oui. Oui, ça va être très très dur. Moi, j'ai mes petits chouchous. Je vais vous les dire après. J'essaye de lire. Alors, oui, Gaëlle, chez Makeurys, vous aurez la mise à jour cet après-midi. Il faut me laisser le temps de la mettre, mais j'ai pensé à vous. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez aussi. Donc, celui-ci. Hop. Donc, je vous répète, avec les kits... Ouh, il y a un truc qui m'éblouit par là. Attendez, je l'enlève parce que c'était mon horloge pour voir l'heure. Hop, voilà. Ça va mieux. Pour les kits, vous pouvez avec un kit faire la taille que vous voulez, d'accord? Taille 1, 2, 3 ou 4, juste la taille 4, elle est un tout petit peu plus chère. Pourquoi? Parce que je vous rajoute de la ouate pour thermocollante pour que votre ouvrage il se tienne bien comme celui-ci. Donc du coup, c'est un peu plus cher parce que bah, le kit me coûte plus cher à préparer. Voilà, et sur le kit, vous verrez quand vous allez le recevoir, j'ai mis une case à cocher, là c'est à l'envers, mais vous aurez la taille indiquée en fonction de ce que vous avez commandé. Alors, celui-ci, je le trouve hyper frais, hyper léger, aérien. C'est celui-là, alors à voir comme ça, moi je l'ai plié dans l'autre sens. C'est le Marguerite fond bleu. Voilà, et je trouvais qu'il va être très très frais pour le printemps. Et je l'ai associé avec, ah il n'y a plus mon rayon de soleil, il est parti, avec la suédine grise, comme ça. Et ici, je vous ai mis un passepoil turquoise foncé qui va venir rappeler le centre des marguerites. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est une nouveauté sur la boutique, ce tissu-là. Ne le cherchez pas au mètre parce que j'ai tout coupé pour les kits, donc j'en ai pas d'autres. Voilà. Alors, il m'en reste trois à vous montrer. Ah, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Attendez, je vais faire plouf plouf. Celui-ci, moi, je l'ai adoré. Mon mari n'a pas du tout aimé ce tissu, mais moi, je l'ai adoré de chez Adoré. Voilà. Et... mes testeuses aussi. Donc celui-ci, il a des petites fleurs. Il a un effet Liberty, mais ce n'est pas un Liberty, d'accord? Sur fond prune, enfin prune, oui. Rose framboise, là. Et j'ai assorti avec une suédine prune. Il va être vraiment très joli. Et on passepoil avec un passepoil or, l'urex or. Il est très frais, Jessica. Mais je suis contente qu'il te plaise. Alors, Sabrina, elle dit... J'ai essayé de commander la taille 4 et le pack additionnel. J'ai déjà les 3 tailles. Comment bénéficier de la réduction automatique? Non, regarde sur ton patron, Sabrina. Normalement, c'est tout seul. Tu vas avoir une réduction qui va s'afficher. Tu vas avoir un prix barré. Regarde, et si ce n'est pas le cas, dis-moi que j'aille voir sur le site tout à l'heure. Normalement, ça se fait tout seul. J'avais testé hier. Normalement, c'était OK. C'est dans ton panier directement. Hop. Alors, dans ce qui reste, il reste... mon coloré chouchou, je pense que c'est celui-là que vous allez beaucoup aimer. C'est exactement ce kit-là. C'est exactement ces tissus avec, hop, exactement ce passepoil-là. Voilà. Et donc, c'est ici. Alors, j'en ai fait le maximum que je pouvais. Je crois qu'il y en a 25 de celui-ci. Donc, c'est mon tissu, c'est le même. Le passepoil, et vous avez, donc c'est une suédine, je ne sais pas si vous voyez bien, une suédine bleue.
pour le coup. Voilà. Marie, si on habite à l'étranger, pensez-vous qu'on pourra recevoir l'équitation pour le live? Si vous commandez dans les premiers jours, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est en stock, tous les kits sont prêts. Ils partent à partir de mardi. Donc oui, puisque mardi, on sera début juin. Non, pas encore en juin. On est le 20, donc on sera pas encore en juin. Et le live, c'est le 8 juin. Donc a priori, on est large, on est bien. J'ai agrandi exprès le délai entre les kits et le live pour qu'il y ait du temps et m'éviter de courir partout, et vous aussi. Et le dernier, alors celui-ci, on l'aime ou on l'aime pas. C'est vraiment une histoire de goût. Moi, je l'aime d'amour. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup coup de suivi en live si vous m'en laissez. C'est celui-ci, donc qui est très flashy. Vous voyez, c'est un fond noir avec des fleurs un peu punchy dans les tons rose et prune et des petits squelettes. Je trouvais qu'il avait un côté très rock. Donc ça, c'est pour la besace lourd rock. Et j'ai mis une suédine noire et un passepoil un peu... entre le fuchsia, rose et violine, pour qu'ils vraiment ils ressortent bien. Oui, alors Karine, pas facile de se rendre compte quand on ne voit pas le rendu final. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est juste que je ne peux pas tous les coudre. Mais j'ai choisi des modèles. Dans les kits, je propose des modèles que moi, j'aurais associés si je devais coudre la besace. Donc ça peut vous aider un petit peu dans votre choix. Y aura-t-il un kit comme la besace noire, Sarah? Eh bien non. Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Parce que c'est dommage, il a été très joli. Parce que, en fait, ce tissu-là, d'accord, c'est un demi-natté de coton. Et associé à la suédine et à l'entoilage, ça fait quand même une sacrée épaisseur à coudre ici. Et certaines, en fonction de leur machine, ne pourront pas passer l'épaisseur, on va avoir du mal. Du coup, j'ai choisi de ne pas le mettre. Mais de mémoire, il reste un petit peu de ce tissu sur la boutique. Pas beaucoup, hein, il doit me rester un mètre ou deux. Et d'ailleurs, je vous montre parce que c'est vraiment... C'est drôle parce qu'en fonction de comment on coud sa besace, vous voyez là, j'ai privilégié plutôt la suédine, hein. J'ai mis peu de coton imprimé. Et ici, vous avez exactement le même coton imprimé qui a été privilégié sur le côté et au dos. Et du coup, c'est pas du tout le même look, voyez. Et là, c'est une suédine grise. Mais c'est pas du tout le même rendu. Donc en fonction de ce que vous allez choisir au moment du montage, ça ne vous fera pas le même sac à chaque fois. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai parlé de tout ça et des kits, je vais revenir sur les options. Le squelette sur la première ligne des kits. Ah, vous parlez entre vous, pardon. Désolée, Claire. Je vais revenir sur les options. Patron PDF à zéro, patron pochette, parce que comme c'est nouveau et que j'ai rien à vous montrer, c'est pas clair. D'accord? Oui, c'est le kit Kala. C'est celui-là. Kit Kala. Alors, donc, chez Dodinette, jusqu'ici, pour faire un récap, je propose des patrons PDF. Pourquoi? Parce que vous allez voir, si vous me connaissez, mes patrons sont très 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 détaillés. Et le but est de suivre les explications uniquement sur un ordinateur, tablette, smartphone. Alors, attendez, j'ai vu passer une question. Ok, je vous réponds après. Merci Amandine qui dit très jolie ta couleur de cheveux. Vanessa, non, je ne vends pas les besaces déjà faites. Mais il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle les créateurs sous licence Dodinette. Je pense que tu pourras trouver une créatrice qui pourra te le coudre, à mon avis. Séverine, est-ce qu'on peut trouver le tissu coquelicot sur la boutique? Pour l'instant, non, parce que je l'ai tout découpé dans les kits, mais je vais faire sûrement du réassort, donc si ça t'intéresse, envoie-moi un petit mail que je pense à le commander. Mon mail, c'est boutique@dodinette.com. Donc, je reviens à mes moutons. À bientôt, Elisabeth. Ouais, c'est vrai qu'il est déjà midi. Donc, patron PDF chez Dodinette, c'est beaucoup de pages d'explication, donc on les suit sur un écran, on ne les imprime pas toutes, d'accord? Sinon, vous allez avoir 100 pages à imprimer, c'est beaucoup trop. Et à la fin de ce document, vous avez les patrons format A4, donc comme celui-ci, d'accord? Vous téléchargez et vous n'imprimez que les patrons. Et donc forcément, vous avez des pages à scotcher. Quand c'est un petit ouvrage, c'est pas grave, il y a peu de pages. Mais quand c'est un grand ouvrage, par exemple le sac Hugo ou Raphaël, il peut y avoir pas mal de pages à scotcher quand même. Donc ça, c'est les patrons PDF Dodinette classiques. Suite à la sortie de Raphaël, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, moi j'aimerais bien avoir le fichier A0 pour pouvoir faire tirer le patron chez un imprimeur. » Qu'est-ce que c'est un fichier A0 en fait? C'est un fichier PDF avec toutes les pièces. Donc vous imprimez... je vais vous montrer un patron. Attendez. Est-ce que je peux avoir un patron A0 sur l'étagère, s'il te plaît, de Raphaël? L'étagère au milieu. Je vais vous montrer un patron A0. C'est pas celui-là, mais pour vous montrer, d'accord, ce que vous pourrez tirer. Juste là. Étagère là, merci.
Les portes sont vitrées, donc on arrive à se voir. Petite question, un tablet peut-elle contenir un ordinateur portable? Oui, Gwenaëlle, j'ai des testeuses qui l'ont fait, mais par contre, je te conseille de rajouter de la mousse sur résille pour amortir un peu les chocs. Merci. Donc, soit vous optez pour le patron PDF classique et vous imprimez vos A4 chez vous, d'accord? Soit vous pouvez prendre le patron PDF classique et le fichier, donc vous aurez le A4 à imprimer chez vous quand même, hein, comme ça si vous êtes pressé, vous l'aurez quand même, et le fichier A0. Qu'est-ce que c'est le fichier A0? C'est un fichier qui vous permet de faire tirer le patron au format A0 chez un imprimeur. Donc ça, je vous en montre un. C'est pas celui de Lou parce que je l'attends. Celui-ci, c'était celui du Sac Raphaël. Le fichier A0, je vous déplie, ça c'est une impression, d'accord, vous permet de faire votre propre impression. Donc vous commandez et vous allez recevoir chez vous, si je vous montre à l'envers, ça ne va pas, hop, une planche de patron, d'accord, avec toutes les formes. Donc il y a toutes les tailles, vous voyez, à chaque fois, il y a, vous avez différentes couleurs, comme un patron de vêtements, avec chaque taille de pièces. Et donc vous avez toutes les pièces comme ça. Alors vous n'avez aucune pièce qui se chevauche, c'est-à-dire si vous voulez découper directement une taille sans décalquer, vous pouvez. Mais bien sûr, vous ne pourrez pas utiliser les autres tailles. Ou alors vous pouvez décalquer. L'intérêt du fichier A0, c'est que je vous ai mis des calques, donc celles qui sont habituées, vous pouvez sélectionner qu'une seule taille ou tout, ok? Donc ça c'est un fichier, et vous voyez, je n'ai rien besoin de scotcher, toutes mes pièces sont déjà reconstituées. Donc on gagne du temps sur la découpe et tout ça. Donc ça, quand vous allez sur le site, vous allez aller dans la besace Louvre, vous verrez l'option, il y a l'option combiné plus fichier A0. Donc fichier A0, ça veut dire ce n'est pas un papier, ce n'est pas imprimé, vous avez le fichier pour le faire tirer chez un imprimeur. Ok? Et ensuite, vous avez l'option pochette qui arrive la semaine prochaine. Donc j'attends qu'elle arrive pour vous la montrer. Vous allez, si vous partez sur l'option pochette, donc c'est dans patron pochette et pas patron PDF, il n'y en a qu'une pour l'instant, vous allez recevoir chez vous une jolie pochette, d'accord? Là, on ne la voit pas, mais je ne vous la montre pas maintenant parce que je l'attends. Mais elle est vraiment jolie. Il y a marqué la besace Lou, etc. Et dedans, quand vous aurez la planche de patron A0 imprimée déjà. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de faire tirer. C'est directement chez vous. Et les fichiers à télécharger, explicatifs pour monter votre projet sur votre compte client comme d'habitude. J'ai choisi de ne pas faire de livret de patron comme certaines le font, parce que mon patron, ils sont très détaillés, c'est un peu ma marque de fabrique. Et si jamais je vous fais un livret, vous allez avoir une encyclopédie très épaisse, parce qu'il y a beaucoup de pages, et je préfère rester sur les explications PDF pour que vous puissiez remonter, enfin sur un support numérique, c'est facile à suivre, et avoir quand même plein de détails. Que si je vous fais la feuille explicative de montage, ça va être très synthétique et vous retrouverez pas du tout l'essence de Dodinette en fait, qui est développée, tout ça. Ok? Donc, dans la pochette A0, vous avez donc la pochette, le gabarit papier, et sur votre compte client, beaucoup de choses, d'accord? Les explications du coup de montage, mais aussi les patrons A4 à imprimer, parce que je me suis dit, c'est pas parce que vous prenez une pochette que plus tard vous ne voudrez pas réimprimer qu'une taille ou quelque chose, donc vous l'avez sur votre compte. Et vous avez aussi le fichier A0 pour refaire une impression. Imaginez, vous découpez et finalement vous regrettez parce que vous vouliez faire la taille 4 et vous avez découpé la taille 1 par exemple, sans décalquer, et vous avez quand même le fichier sur votre compte pour pouvoir refaire plus tard une impression. Voilà, donc c'est un peu dense tout ce que je vous raconte, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et du coup j'ai beaucoup d'infos. Merci Nathalie pour tes étoiles, et j'ai vu passer un commentaire trop mignon qui était vraiment trop trop gentil. Attendez, je retourne, mais il est passé il y a un moment. Ah voilà, c'est ça, c'est Émilie qui a dit « Ce sont les meilleurs patrons, merci Dodinette ». Merci beaucoup, parce que ça me fait trop trop plaisir que tout ce temps que je passe à imaginer des modèles, à les rédiger, vous plaise. Donc c'est moi qui vous remercie, voilà. Donc, pour la besace Lou, c'est tout. Et puis, une petite dernière information. Après, je vous laisse, parce que ça fait quand même 1h15 que je parle. Voilà. Ce sont les jours anniversaires sur la boutique. C'est aussi pour ça qu'elle est chargée. Prenez votre temps pour y aller. Ça va durer une semaine. Salut Valérie, ça va. Qu'est-ce que c'est les jours anniversaires? Comme vous savez,
Au début, Dodinette était une micro-entreprise et elle a évolué maintenant en société pendant le confinement. C'était au mois de mai. Donc tous les mois de mai, j'ai envie de vous gâter. Donc ce sont les jours anniversaires. Merci Lucie, c'est adorable, merci beaucoup. Les jours anniversaires, qu'est-ce que c'est? Au-delà de la besace roue et tout ce que je viens de vous raconter, pendant une semaine, Baby Love, je te montre les tailles après, pendant une semaine, donc du 20 au 27, c'est l'anniversaire de Dodinette. Josette, le prix, il est à 16 euros et quelques. Mais regarde, en fait, tu as un encart rose, il y a marqué patron pochette, tu peux pas te tromper. Et l'anniversaire de Dodinette, c'est quoi? C'est des offres pour vous faire plaisir. Donc il y en a deux qui sont valables pendant une semaine, il n'y a pas besoin de code promo, ça se fait tout seul quand vous ajoutez à votre panier. Merci, je vois plein de petits cœurs et de petits smileys comme ça qui passent, ça me fait plaisir. Quand vous ajoutez quelque chose à votre panier, dans la catégorie tissu, c'est Céline, je te réponds après. Dans la catégorie tissu, donc pendant une semaine, du 20 au 27, on vous offre moins 20% sur 3 de vos tissus préférés. Ce qui veut dire que quand vous mettez du tissu dans votre panier, il passe à moins 20% pour 3 articles, d'accord? Généralement, c'est le site calcule les plus chers directement. Donc si vous en prenez 10, vous aurez une réduction sur 3. Par contre, si vous vous dites, j'en prends un là et je reviens demain, c'est valable qu'une fois. Donc si vous avez plusieurs produits à prendre, prenez-les en même temps parce que le site ne va l'appliquer qu'une seule fois par personne, cette réduction. Et moi, je vous offre moins 30% sur le patron de votre choix. Merci Julie qui dit « Ouh, les jours anniversaires, youpi !» Donc moi, je vous offre moins 30% sur le patron de votre choix, hors Besaslou parce qu'il vient de sortir, d'accord? Et hors la collection Raphaël aussi, qui est l'avant-dernier patron. Mais sur tous les autres patrons, quand vous mettez au panier votre patron, vous avez moins 30% sur un patron. Donc s'il vous en manque un, n'hésitez pas à aller le chercher. C'est jusqu'au 27 et c'est pas aussi valable sur les lots de patrons. Parce que forcément, les lots de patrons, ils sont remisés déjà à 15%. Donc sinon, je vous donne tout ce temps passé. Et bon, moi, c'est aussi mon travail. Donc je peux pas faire des promos sur les lots. Voilà. Alors, j'ai vu passer plein de choses. Martine, moi aussi, j'adore les patrons tutos de Dinette et je ne parle pas des lives trop. Eh bien, merci beaucoup, c'est trop gentil. Mia aussi, merci Mia. Alors, donc, Anis, elle dit qu'elle va faire la taille 4. Coucou Cassandre, ça va. Laetitia dit, mais on a tous les patrons. Bah, Laetitia, désolée, je suis désolée. Mais t'as pas tous les tissus. Voilà. Oh là là, Cassandre, elle a loupé le live, ça va pas du tout. J'ai vu passer une question. Oui, quelle taille je vais coudre en live? Donc en live, vous pouvez coudre la taille que vous voulez. Taille 1, 2, 3 ou 4, c'est vous qui décidez. Moi, je ne vais pas coudre la taille 4 parce que déjà en découpe, elle est plus longue. Et si je vais coudre, le temps de faire tout le tour de la pièce, ça va être plus long. D'accord? Vous pouvez le faire parce que vous pouvez travailler en replay, si ça va trop vite, faire pause, etc. Moi, je n'ai pas encore décidé. Je vais peut-être... pas la taille 1 parce que ça va être trop rapide à coudre. Vous voyez, le temps que je fasse ça, si vous faites la taille 4, ça sera trop rapide pour vous. Donc moi, je pense que je vais me coudre la taille 2, mais sans certitude parce que je peux changer d'avis. Voilà, donc moi, je vais coudre la taille 2, mais vous pourrez coudre ce que vous voulez en live. Je vous rappelle les dates du live du 8 au 13 juin. On se retrouve pour coudre la besace loup dans la taille de votre choix. Et je vous rappelle les variations que j'ai choisies. D'accord, vous les verrez sur le... La semaine prochaine, vous faites un récap de tout, vous inquiétez pas. Donc, en live, on fera cette variation-là. Exactement mon sac, en fait. Exactement mon sac à main. On fera ça. Donc, le rabat bicolore passepoilé en biais. Avec, pas exactement mon sac. Ici, ce sera la poche arrondie, incurvée et pas la droite. Voilà la différence. Et derrière, on fera la poche passepoilée de tissu. Alors, vous étonnez pas, là, c'est un peu mou parce que c'est une popeline et que moi, je ne l'avais pas entoilée. Mais vous, dans le patron, on va entoiler, donc ça, ce sera plus plaqué, d'accord? Et l'option sur le dessus qui est là. Attendez, voilà. La pièce zippée qui vous permet d'ouvrir et fermer le haut de sac. Donc, on fera ça en live, bien entendu. Parce qu'il y a des créatrices parmi vous. Si vous voulez vous amuser à rajouter des variations additionnelles, tout ça, ce sera possible. C'est juste que moi, quand je ferai le rabat, vous en ferez une autre en autonomie, mais c'est possible. Oui, je vais vous remontrer les tailles. Et j'ai vu passer une autre question. Alors, ça va trop vite pour moi. Alors. Carole, elle dit, grâce à vos lives, je me suis lancée pour le sac Banane Charlie. Eh bien, c'est génial, ça me fait plaisir. J'ai vu passer une question, mais je l'ai perdue déjà. Oui, c'était... Ah, si, je m'en rappelle.
Après, je vous remonte les tailles pour vous aider à choisir. La question, c'était quel niveau il faut avoir pour le live, ok? J'ai fait exprès de faire un live pour un niveau facile, c'est-à-dire, j'appelle ça débutant plus. Il faut savoir coudre au point droit. Il faut avoir déjà fait quelques accessoires en couture, d'accord? Mais si c'est votre niveau, vous pouvez venir parce que ce n'est que du point droit, la besace loup. On posera du passepoil, mais encore une fois, on n'est pas obligé de le faire. Merci Gwenelle qui dit joyeux anniversaire à Dodinette. Mais voilà, mais si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être l'occasion en live de le faire avec moi. Donc voilà les difficultés et vous aurez juste à savoir coudre une fermeture pour le haut. Attendez, je vous la montre dans une autre couleur, parce que là tout noir, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Voilà, ici vous avez une fermeture ici, d'accord. Du coup, il faudra savoir coudre la fermeture, mais... Soit vous voulez vous lancer, votre niveau le permet et vous le faites, soit vous êtes un niveau débutant, vous avez peur, je vous expliquerai comment faire pour ne pas poser cette pièce et vous pourrez quand même faire votre besace sans problème. Voilà, vous savez tout. Je vous remonte les tailles et après je vais vous laisser. Oui, Gwenaëlle dit merci aux testeuses. Oui, 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 les testeuses, elles ont fait un travail de dingue hein, parce que comme d'habitude, vous savez, moi quand je fais un patron, je travaille beaucoup, c'est comme une ligne droite, quand je suis un peu TGV. Et forcément, il y avait des erreurs, elles les ont trouvées. Elles ont cousu des modèles trop trop beaux. Je vous les montre la semaine prochaine ou dimanche, parce que cet après-midi, je vais passer un petit peu en mode off. J'ai tellement travaillé. Alors, je vous remonte les tailles. Pour un enfant, moi je dirais, ça dépend ce que j'ai vu passer la question, ce que vous avez envie de coudre. C'est une petite pochette pour mettre peu de choses. La taille 1 est très très mignonne. Voilà, elle est là. Mais la taille 2, elle pourra aussi... Ça dépend ce que vous voulez ranger. Elle pourra aussi être intéressante, par exemple, pour partir... Oh, il y a tout qui tombe, attendez. Voilà, c'est des kits qui glissent. Pour partir, je ne sais pas, une journée avec un cahier de coloriage ou autre chose. De toute façon, la bandoulière est réglable. Donc, vous pouvez vraiment faire la taille qui vous arrange. Et puis après, la taille 3 aussi, hein, elle peut être sympa, mais ça va faire gros comme sac pour un enfant. Mais aussi pour mettre un cahier plus grand... Moi, j'aurais tendance à choisir soit la taille 2, soit la taille 1. Alors, je vous les remonte. Taille 1, hop, comme ça. Voilà. Taille 2, je vous les mets comme ça. Hop. Je vous les mets en haut. En haut, comme ça, vous voyez le bas qui dépasse. Voilà, taille 1, taille 2. Taille 3, je ne sais pas prendre mon sac qui est rempli. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, derrière. Ça dépasse sur le côté et en bas un petit peu. Et taille 4, la sacoche, alors elle est large, hein. Enfin moi je suis pas très grande, mais parce que je voulais qu'un format A4 rentre facilement, même des grands cahiers, vous voyez, sans problème, peuvent rentrer dedans. Peut-être pas sur la poche avant pour marquer, je vais regarder. Et comme ça vous savez tout, pour faire votre choix. Et donc, oui, oui, ça rentre, regardez, pour les étudiants c'est chouette. Du coup, en live, vous pouvez coudre la taille que vous voulez. Si vous voulez partir sur la sacoche, faites la sacoche. Taille 1 pour les hommes, Émilie, oui, je pense que c'est un bon gabarit. Ça dépend ce qu'il veut emmener, hein, l'homme en question. Mais si c'est son porte-monnaie, son téléphone et tout, ça suffira amplement. Voilà. Il y a ça, on dit, le plus dur est de faire un choix. Oui, tu peux regarder le début en replay, comme ça tu verras tout ça. Alors, un live pour le sac Louise est-il prévu, Carole? J'aimerais, mais je sais que vous attendez aussi un live pour un sac de voyage, donc... C'est dans les tuyaux, j'ai plusieurs choses dans les tuyaux. Pour l'instant, oui, Nani a les différentes dimensions du sac au début de patron, tout est récapitulé, t'inquiète pas. Pour l'instant, on fait besace loup et juillet, on essaiera de coudre autre chose. Ça va dépendre de comment je m'organise. Et je vais passer une dernière question, ce sera le mot de la fin. Alors, Séverine, elle dit que la promo, elle ne passe pas. Ça fait donc plus cher de prendre le pack complet. Et bien, Séverine, attends. Je vais aller voir sur l'ordinateur pourquoi ça s'applique pas, d'accord? N'achète pas, attends, et ça va, je vais résoudre ce problème. La taille 4 est comment par rapport à la sacoche Raphaël? Attends, parce que je l'ai vu. Alors, je vous montre mon proto raté de la sacoche Raphaël, il est là. Pour voir les différences. Donc ça, c'était mon modèle, vous savez, qui n'avait qu'une anse parce que je ne l'ai jamais fini. Vu que j'avais un souci de doublure, voilà, que je cours partout. Donc ça, c'était la sacoche Raphaël. En termes de dimensions. Alors, la sacoche Raphaël existe en plusieurs tailles. Hein, d'accord. Donc ça, c'était la taille, je crois, 2. On va être un poil plus large ici, sur le côté ici, et en hauteur un petit peu aussi.
Mais encore une fois, c'est pas la même chose parce que la sacoche Raphaël, elle a trois zips et elle est faite pour l'ordinateur. Donc elle inclut déjà la mousse sur résille, tout ça. Elle a une sangle ici qui vient jusqu'ici. Donc au niveau du poids, c'est pas la même chose du tout. Et elle se porte à la main que la Besastou. Elle a un rabat, ce que l'autre n'a pas. Elle n'a pas trois poches séparées, elle a une grande poche. Et elle se porte qu'en bandoulière. Comme ça, vous savez tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si le site bug encore une fois, prenez votre temps. C'est pas grave. Les promos, elles sont jusqu'au 27. Je répète, si les kits sont en rupture, certains, mettez-vous en liste d'attente. Activez le rappel produit. Moi, ça me permet de voir les coloris qui vous plaisent le plus et que vous voulez pour refaire. Et je referai du rassort la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis... tout du live en début de semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne couture. Merci, merci mille fois encore une fois aux testeuses, elles ont été incroyables. À chaque fois je vous dis ça, mais à chaque fois elles montent en niveau, je sais pas, elles sont formidables. Je vous embrasse les cousettes, à bientôt. Oui, j'ai une nouvelle machine à coudre Cécile, mais là je n'ai plus de salive, donc je vous en parlerai la prochaine fois. Je vous dis à très vite en ligne et puis à très vite pour le live. Amandine, elle dit merci Dodinette pour cet énorme travail, c'est fabuleux, c'est moi qui vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Et si vous voyez la charge de travail que j'ai réalisée, c'est que ça me fait plaisir parce que vraiment, ça a été créatif plus que de raison, comme d'habitude. Je vous embrasse, mamie Josette, je te dis bonne journée. Profitez du soleil s'il y en a. Ici, j'entends les petits oiseaux, donc je pense que je vais aller me promener cet après-midi. Bon week-end et à très vite pour la suite. Je m'occupe de la promo qui ne passe pas tout de suite. Belle journée, à bientôt.